Et salut, on se retrouve pour la deuxième manche du Manufacturer Series sur GT Sport. Donc on est sur Monza, voilà, avec la Group 4, la variante McLaren. Donc ça me fait un petit peu peur au niveau de la première chicane, vous savez bien. Donc je suis très content, j'ai réussi le deuxième temps, incroyable. Donc là on est en 1:57.776 et moi j'ai fait 1:57.827. Donc je peux déjà vous dire que je suis très content, je crois que c'est la meilleure qualif que j'ai réalisé sur le championnat, en tout cas en compétition entre guillemets officielle. Donc voilà, j'ai été longtemps premier et ça, il y a quelqu'un qui a réussi à passer juste devant. Donc 20 tours, alors comme d'hab, les pneus on sait pas, la conso on sait pas, ce sera la surprise du chef comme d'habitude. On se retrouve sur la grille de départ. Allez, c'est parti. On va essayer de faire au mieux au premier virage, pas freiner trop tôt, pas freiner trop tard. Bref, ça va être là la difficulté. On va tout de suite se mettre derrière au niveau du premier pour prendre vite fait la spi. Forcément, sur cette longue ligne droite, il y a énormément de spi. Ah, le premier qui sort, alors là j'ai pas compris, il a loupé son freinage, j'en sais rien. Ça fait nos affaires, mais bon, vous savez, il y a 20 tours, donc on va bien regarder la consommation. Loupé aucun freinage. Voilà, j'ai freiné un peu tard, tout de suite. Allez, on est premier. On fera le point 10e tour. Donc on est en pneu dur, on ne peut pas changer les pneus. Il m'embarque déjà un petit peu lui. On va profiter tout de suite de la spi. Bah, mets-toi à gauche si tu veux. C'est pas con son idée, mais bon. Pas parce que tu me dis que tu vas à gauche que. Enfin, que tu vas à droite que je vais suivre. Hein. Il a bien joué le coup. Et ben vous savez, je force pas en général. Si je reste accroché, il y a tellement de possibilités. Donc oui, déjà je le rattrape là. Donc, par rapport aux autres simus, c'est vrai que les vibreurs ici sur ces chicanes, on peut les prendre facilement. Ça déstabilise pas du tout la voiture. Allez, on va essayer de rester dans son aspiration, ce qui peut vite partir. Ah bah tu peux pas te cacher grand. Ouais, il a l'air quand même plus rapide. Hein.
Ah, là, il s'est loupé. Oh là là, le fameux bug. Pas exagéré. Vous voyez que j'ai un gros souci au niveau du freinage. Enfin, un gros souci. Certains me l'avaient déjà évoqué dans les commentaires de certaines de mes vidéos. Mais même sur PC, hein, je vous rassure, c'est mon point faible. Donc, bon. On va faire avec. Le TC, j'ai descendu, je l'ai mis à zéro. Ah voilà, vous voyez, pénalité. Mettons qu'il n'y aurait pas un refuel quand même sur cette course. Comme il y a ma tour, je sais pas encore si je ferai un cut. On verra bien. Allez, pour l'instant, on a 1 seconde 3 sur le second. Ouais, sur ce virage là il est plus rapide également. Surtout au freinage, vous voyez, je suis à 1 seconde 1. Il va me reprendre là-bas au freinage, c'est quelque chose d'impressionnant. Le tout c'est déjà pas de louper. J'en profite pour ceux qui veulent voir ma dernière vidéo et qui l'ont pas vue. J'ai mis mon setup en vidéo. Et je vous montre comment je passe de ma position PC à ma position console. Donc ça peut donner des idées à certains. Il a dû se planter derrière, ouais. L'italien s'est planté, c'est bon pour nous, on a 2 secondes 5 de l'anglais. Donc dimanche, donc demain, commence le championnat DTM sur S-Room. Donc pareil, je pense que je vous ferai un résumé exactement comme ce que je suis en train de faire. Il faudrait que je retente un live, ça fait un moment que j'en ai pas fait. Mais c'est vrai que pour ceux qui me connaissent un peu, vous savez que j'aime bien vous proposer des choses vraiment de qualité. Alors que ce soit au niveau de la conduite, hein, du son et de l'image. Mais en live, c'est vrai qu'on contrôle pas grand chose. Donc quand c'est pourri, ça m'est déjà arrivé, bah c'est pourri quoi. C'est vrai que bon, c'est pas la même interaction, mais j'aime bien avoir la maîtrise des choses et dans l'univers du PC, parce que forcément, là, je vous propose, ce que je vous propose, je le recorde pas avec les PS4, hein, je le recorde avec le PC. Et bien, des fois, il y a des surprises. Tu roules, tu fais tout parfait. Et puis au moment de passer en live, et ben ça merde. Tu sais pas pourquoi, tu sais pas de où.
Forcément, en live, quand tu commences, le temps de réparer, le temps de trouver la solution. Allez, je parle, mais derrière ça revient. Je tire pas trop dans les tours parce que j'ai l'impression que je gagne du temps en allant pas trop trop loin. Les pneus, ça tient pour l'instant. On a fait 5 tours. Carburant. Ça va être juste pour moi. Allez, on améliore encore. Ah, je peux freiner un peu plus tard, mais ça joue à pas grand chose donc. Ah, l'Italien il me revient dessus assez vite. Mais bon, pour l'instant, on va essayer de s'occuper de ce qu'il y a. Plus devant. Ah, c'est assez collé hein, quand on regarde sur la carte. Il n'y a pas vraiment de trou. Allez, au passage de la ligne, on est à 3 secondes. On verra au prochain. Ce serait étonnant sur une course de championnat qui n'ait pas d'arrêt. Alors, il y avait un apo jaune, j'ai pas vu. On a vu quelqu'un qui est parti, qui a kické ou qui a dû se planter. Ouais, j'ai perdu du temps dans toute cette connerie. Les pneus, ça commence à être un petit peu compliqué. Oh, j'ai perdu là, ouais.
J'avais 3 secondes, j'ai 2 secondes, 3 à peine. Et bien s'il revient aussi vite à chaque tour, il va vite me reprendre. Forcément, si tu passes à 3 au lieu de la 2. Ah, des petites erreurs qui risquent de me coûter cher. Putain, je pensais l'avait bien passé, même là il me reprend. Celui-là, je l'ai mieux passé. C'était un peu le point faible, mon point faible sur ce tour-là, en tout cas. Ah, il n'y a pas d'raison. Si t'as fait le meilleur temps au qualif, c'est que normalement. Yes, comme ça qu'il faut le passer. Allez. C'est bon, il a dû faire une petite erreur l'italien. Alors il est juste derrière, hein, c'est pas le problème, mais on donne un petit peu d'air. Bon, les pneus ça commence à être un petit peu juste, les trages vont commencer à s'étirer un petit peu, à changer les points de freinage aussi certainement, donc on va se méfier. Alors, passage de la ligne, 10e tour, on est à la limite au niveau, à la moitié carrément au niveau du carburant. Donc, je pense que ça peut passer en changeant un peu la carto à mon avis. Je regardais si ça rentrait, mais non, ça rentre pas. Hein. Ouh, la petite glissouille. Oh, je me suis fait peur.
Est-ce que je changerai pas déjà ma carto? Ouais, je vais mettre 2. Est-ce que c'est pas se tirer une balle dans le pied, j'en sais rien. Mais j'ai pas envie d'être en tombé en rade. On va voir si je peux tenir la distance comme ça. Magnifique, ça, si c'est pas magnifique. Le freinage, le freinage. Le freinage. Je crois que j'ai mordu légèrement sur l'herbe. Je pensais pouvoir continuer tout droit, parce que sur certains jeux on peut le faire, mais là. Merde. Petit couac. Dans le scénario. Ah, comme quoi, quand tu penses avoir la course gagnée. Ah, puis il y a du monde derrière en plus. C'était pas prévu ça. On va remettre la carte au 1, faut que je le rattrape de toute façon. Il faut que je distance derrière. Ah, c'est dommage ça. Se mettre en difficulté comme ça. Les pneus, ça commence à être compliqué. Bon, je suis un petit peu plus rapide. Je vais revenir sur lui si je fais pas d'erreur pour prendre la spi, donc ça va être pas mal. Il va falloir absolument que je repasse en carte au 2 parce que je pense que sinon. Juste histoire de le rattraper pour prendre l'aspiration et après je repasse ça. Ah, il s'arrête. Merde, il s'arrête. Ah, du coup, je sais pas quoi faire là.
crois que je vais tenter. Hein. Quitte à mettre en carto, là je suis à 3. Je vais regarder. Ah, ça revient. Ça va pas. C'est jouable. Reste en 5 tours, ça va être compliqué. Ah, je suis en train de bricoler ma cartographie moteur, je sais pas du tout quoi faire. Je vais laisser passer. Quitte à se mettre dans son aspi. Il me reste 5 tours, il me dit qu'il me reste 4,4. Autant dire, j'en ai pas assez. Ça va pas. Ah, ça me fait chier de piter pour un tour, sérieux. Ah, toutes les erreurs que je fais là, c'est à cause de ça, cette carte rouge, cette stratégie que je suis en train de calculer. Chose que tu ne dois pas faire si tu as préparé ta course. Oui, je t'ai vu derrière, t'inquiète. Ma double? Je suis devant toi, qu'est-ce que je te fasse? Ah non, je reste là, moi. Bah oui, pousse-moi.
Non mais ils sont marrants. Hein. Ce sera pas bon au niveau carburant. Tant pis, on va aller jusqu'au bout, on verra bien. Et tout le monde derrière, il va faire quoi? Il va s'arrêter. Ah, l'italien, il est troisième. C'est lui qui est derrière, en fait. Il s'est déjà arrêté. Non. Ah oui, c'est lui, effectivement. Il me semble que c'était lui. File-moi ton aspi. Prends-toi le petit slowdown. Et de toute façon, tu vas me repasser devant si je vais devoir m'arrêter. Il reste trop de tours. Bon, devant, il est prenable. Il y a même qu'il a changé les pneus derrière. Ouais, j'ai dû revenir parce que sinon c'était le cut assuré. Il me reste 2 tours, donc je vais arriver à 18, 19, 20. Ouais, il manque pas grand chose. Ouais, du coup, ça va être mon dernier tour en carburant. Donc il faut que je repasse au pit au prochain. J'aurais dû rentrer en même temps que l'italien. Il y aurait eu une belle bagarre, je pense. Et là, comme j'ai baissé ma carto, donc j'ai baissé la puissance, j'ai baissé
toute la perf de la bagnole. Du coup, bah, lui, il a continué à être au taquet. Le forcing. De toute façon, je vais pas changer les pneus. Ah, il s'arrête devant, je crois, là. Même pas. Ok. Ah, je me suis trop... J'en ai trop remis. Et je tombe dans le... Dans la mélasse. Ah, ce serait bien d'avoir un podium. Mais... Bon, au moins que ça me serve de leçon. Ah, deuxième partie de course catastrophique. Ah oui, catastrophique. En plus, je gère mal les pneus, donc... Il va me rester un tour. Ah, ça passe grand. Ouais, si tu veux me prendre mon aspi, vas-y, mais... Comment ils ont fait pour pas s'arrêter, eux? Après, ils se sont peut-être arrêtés que j'ai pas vu, mais honnêtement... Allez, dernier tour. Ah, il y a encore des regrets quand même. Bon, je vais pas la retenter par manque de temps, et puis j'ai pas non plus l'assurance de faire beaucoup mieux, donc. On va en rester là. Alors le podium était clairement faisable. Oh bah là. Là mon grand, la pénalité, t'y as droit là. Même pas. Ah oui, j'allais dire. Donc faut choisir une seconde plus rapide que celui qui est derrière, sinon je vais perdre ma place.
ça va le faire, mais bon, ouais, vraiment, vraiment des regrets. Encore une fois, une erreur de stratégie. Quelques petites erreurs qui. De course. Mais bon, de toute façon, à un certain niveau, tu peux pas te permettre de la jouer à l'à peu près. Si j'avais fait une simulation et des choses comme ça. Là, c'est pas le cas, donc. Clairement, je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. C'est vraiment dommage. Comme d'hab, je vous mettrai les points si j'oublie pas dans l'incruste de la vidéo. Mais ouais, c'est vraiment, vraiment bête. Cinquième, je reste cinquième, je pense. Ouais, ça devrait le faire. On va regarder les points et tout ça. Mais ouais, c'est vraiment pas de chance. Enfin, pas de chance, non. C'est pas une question de pas de chance. C'est une question de d'erreur de stratégie, tout simplement. Je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. Il aurait pu y avoir une belle bagarre avec, je pense, avec l'italien. Après l'anglais, pareil, il a fini, je sais pas comment. Est-ce que les gars tournent avec une cartographie, par exemple à 2 ou à 3 tout au long de la course? Je sais pas. Est-ce que c'est possible? Je sais pas non plus. Ou alors est-ce qu'il a pité et qu'il était plus rapide? Qu'il a peut-être simplement foiré ses qualifs? Possible aussi, il y a tellement de possibilités que du coup je ne sais pas. Bref, on va voir ce que ça nous donne. Mais ouais, il y avait un peu trop d'erreurs pour dire de pouvoir monter sur le podium aujourd'hui. C'est vraiment dommage, il y avait de quoi faire. Bon, je pense que je vais quand même marquer pas mal de points. Alors, cinquième, attention, combien de points? 82 points, très correct. Beaucoup mieux que, enfin, beaucoup mieux. Mieux que la première manche. Voilà. Bon, bah, écoutez, moi, je vous laisse là-dessus. Et puis, on se dit à la prochaine. Salut!